この程度か。つまらんやつめ。自分を信じるしかねえよな。それとも修行を思い出すかな。お先、俺が世界を変えてやるぜ。Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Liala, comment allez-vous? Moi je vais super bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur la suite de notre let's play consacré à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, l'épisode 10. Il va falloir qu'on termine ce jeu un jour avant l'arrivée de Xenoverse que je compte acheter, oui, parce que ce jeu je le sens très très bien. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je vous prépare une vidéo première impression, premier avis sur ce Xenoverse pour tout simplement vous donner mon avis, pour vous dire que je suis très content sur ce jeu. Et vous allez savoir pourquoi dans cette vidéo qui arrivera très prochainement, parce que vous m'avez demandé qu'est-ce que je pensais de ce jeu Xenoverse. Est-ce que il semble bien? Est-ce qu'il semble... voilà, est-ce que c'est encore une petite déception? On va voir ça, je vais vous expliquer des choses. Et j'aurai besoin aussi de vos retours dans cette vidéo-là. Au sujet de Xenoverse, pour aussi connaître votre avis sur ce prochain Dragon Ball, qu'est-ce que vous attendez de ce jeu-là. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour ça, aujourd'hui on est là pour terminer ce Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, pour pouvoir passer à Budokai Tenkaichi 3, et être bien, être au top quand notre Xenoverse sortira, que je ferai sur la chaîne bien évidemment, plutôt, parce que voilà, j'adore Dragon Ball. Je vais pas le répéter, je l'ai assez répété dans mes vidéos. Donc on va reprendre exactement là, on est à l'épisode 10, Ginyu vaincu. Donc rappelez-vous, Vegeta nous a lâché lâchement, il est parti, hein, et juste l'a poursuivi. Il voulait récupérer les Dragon Ball pour se transformer en être immortel. Et on va voir ce qui se passe dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc on contrôle directement Vegeta. Donc ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, on va aller directement au combat. Tout simplement, pas de pression, no pressure. J'espère que je n'ai pas oublié les commandes, parce que changer à chaque fois de jeu. Ginyu, accompagné par Jius, fait son apparition dans le corps de Sangoku. Mais il est vite démasqué par Krillin et Sangwan. Non, c'est pas Krillin. Krillin, il le démasque pas. C'est des conneries, ça. Sangwan sait que c'est pas son père, et Vegeta sait que c'est pas Sangoku. Krillin, il fait le malin, en lui demandant comment il a fait pour enrouler Jius dans leur équipe. Non, ce jeu est sublime, est magnifique. Allez, on prend Vegeta, parce que j'aime bien Vegeta. C'est un bon combattant au corps à corps. Il y a des bonnes techniques au corps à corps qui sont vraiment très très intéressantes. Et c'est parti. Ouais, donc il va falloir qu'on termine ce jeu, qu'on termine ce let's play. Parce qu'il commence à faire long. Et j'ai envie de réellement terminer. Oh la vache. J'ai vraiment envie de terminer ce jeu avec vous sur ma chaîne. Ce serait une très très grande fierté, parce que j'ai pas fait le 1 complètement, donc Désolé Dieu, mais je suis un peu... Voilà, vague explosive bien placée, dommage que son effet s'arrête... voilà, en fait son effet... Ah, quoi que si...
Ça dépend en fait. Et j'ai fait le fou. J'ai voulu faire le malin. Warida! Oh là là, je me suis fait posséder. Non mais rien, yo! Chore! Aha! Non mais yo! Excellent, excellent, c'est bien passé. Une jolie technique de Vegeta. Kurai! Oh non, c'est pas possible, j'ai fait le contre. Mais ce n'est pas passé. Ennui! Ah, j'ai hâte de débloquer les Super Saiyan, on va bien se marrer. Le mec, il a annulé mon canon garlic! T'as annulé le canon garlic, mon ami. Mon cher ami. Des sacrés bruitages, quand même. Laisse-moi respirer un petit peu. Les shops, ça passe jamais quand on en a envie dans le jeu. Adieu, Dieus. Là normalement donc c'est Ginyu qui est dans le corps de Sangoku puisqu'il a fait Exchange l'échanger de corps avec Goku. Et normalement dans le manga il a du mal à contrôler le corps à Goku parce que comme ils disent Bakame exactement. Normalement il n'arrive pas à faire de Kamehameha hein. Mais bon, on est dans un jeu vidéo. Parce que l'esprit et le corps de Goku sont séparés. Et c'est comme un étranger qui habite son corps, donc il a du mal à le maîtriser. Mais à force de se battre contre Vegeta, il commence un petit peu à développer les forces qu'il y a dans le corps à Goku. Allez, un petit feu d'artifice. Non, c'est pas possible, j'ai fait un petit feu d'artifice. C'est pas grave. Batada! Bien esquivé. Warida! Ah, c'est pas passé ça! Ah, je suis dégoûté. Feu d'artifice vicieux. Adieu Goku. Ou Ginyu. Kakashi! Yubori! Sumanai. Alors, J-Star Versus, c'est ça comment ça s'appelle ça? Ouais, je crois que c'est J-Star Versus. Je vous ferai une vidéo sur ce jeu, pas de soucis. Je l'ai toujours pas terminé encore là, le J-Star Versus. Il est assez long quand même. J'ai pas encore terminé, mais je ferai une vidéo dessus. Hein, parce qu'il y a Sangoku dedans, il y a Frieza-sama, et il y a Vegeta, mais il y a d'autres personnages de manga très très connus, comme Kenshiro.
Jonathan Joestar, Joseph Joestar, vous connaissez quoi. Comme. Comment il s'appelle le mec avec son X-Burner là. J'ai oublié. Comment il s'appelle ce gars? Ah, dans Hitman Reborn. T'es caché Hitman Reborn. Alors, son Goku reprend possession de son corps au terme d'une lutte acharnée, mais il est blessé. Alors, je sais pas si je vous ferai un test sur le jeu. Il est en diable, donc. Vegeta soigne son Goku pour qu'il l'aide à reprendre les boules de cristal à Freezer. Vegeta coopère avec Son Gohan, mais lorsqu'il a le dos tourné, le dragon apparaît. Le dragon apparaît, Krillin et Son Gohan ont dupé Big Vegeta et invoqué le dragon pour qu'il exauce leur souhait. Nani ? Tu dis pas Nani ? Furieux Vegeta les pourchasse, mais un ennemi bien plus terrible approche. Frieza-sama. Et c'est parti. Ouais, je vous parlerai un petit peu, je pense, du gameplay dans mon émission 5 minutes combo pour vous présenter un petit peu le jeu, vous parler un peu du gameplay de ce G-Star Versus que j'ai depuis sa sortie. Hein. Je l'avais commandé en import et j'y joue de temps en temps. Là, je joue pas trop en ce moment, mais j'y jouais de temps en temps. C'est assez marrant, c'est assez sympa parce qu'on. On a plusieurs personnages de manga différents appartenant au Jump, au Shonen Jump, je crois, Weekly, je sais plus quoi. Donc on a des personnages qu'on connaît très très bien, comme j'ai dit, Son Goku, Vegeta, Frieza-sama, Bobobo, Belzébub et tout ce bordel là. C'est assez sympathique. Hein. Il y a aussi Gon de Monster Hunter. Monster Hunter. Je pète un câble. Hunter x Hunter. Freeza résolu à se débarrasser de Vegeta et de Terrien pour de bon. Freeza. T'as oublié le Sama Krillin, tu vas mourir à cause de ça. Ah, oh, j'adore la voix de Freeza. C'est un truc de ouf. Yurusan. Arrêtez de dender là. Ravalons cette fierté, Vegeta s'allie à Krillin et à Son Gohan contre Freeza. Frieza-sama. Waouh, on est du même niveau. C'est parti. Faut gagner. Gagner contre Freeza. Non, je me cachais pas. Hein. J'oublie que son laser, son rayon laser oculaire ou je sais pas quoi, son doigt laser était vraiment très puissant. Ah ouais, mais là si tu es chaud comme ça. Si tu es chaud comme ça. Salaud. Ah, il m'a feinté, vous avez vu, il a fait. Femme de corps. Il m'a fait une attaque chargée. Ah, oh, j'adore les bruitages. C'est un truc de fou. Non, mais non. J'ai le raté. J'ai le raté, c'était sûr. Freeza!
parle pas beaucoup, hein. J'ai rien à dire de particulier dans cette vidéo, hein, parce que j'ai déjà dit plein de choses, tellement de choses dans les autres vidéos, parce que c'est déjà la dixième, donc je vais pas me répéter à chaque fois, donc je vais vous laisser apprécier les ambiances, je vais faire quelquefois le bruitage avec ma bouche, hein, parce que j'adore ça, et laisser apprécier quand même le jeu à sa juste valeur, et voir ce qu'il propose en termes d'ambiance et de gameplay, tout simplement. Parce que ça sert à rien de parler juste pour combler un vide. Non, ça sert à rien. Alors, Vegeta croit que sa force de Saiyan rivalise avec celle de Frieza. Sûr de lui, le prince Saiyan annonce sa victoire. Frieza s'est transformé, nos héros ont-ils la moindre chance? Pourquoi j'ai eu la chance avant moindre? Le cerveau était trop rapide. Trop rapide et le côté obscur. Plus facile, plus rapide. Alors par contre, la version de Tenkaichi 3 que je vous ferai, ça sera la version Wii, parce que si vous voulez, j'ai la version collector de Tenkaichi 3 sur PS2 et j'ai pas envie d'ouvrir ma boîte. Elle est bien comme elle est, où elle est, donc ça me ferait chier de l'ouvrir. Donc on va jouer sur la version Wii, ça change quasiment rien. Ce sera juste un petit peu plus joli, je crois, un peu moins aliasé, et puis c'est tout. Mais ça changera rien pour vous de toute façon, au final. La puissance de sa nouvelle forme fait de Frieza un véritable cauchemar. Alors Freezer, il a trois transformations. C'est un putain de métamorphe, le mec. Qu'est-ce que tu me fais? Mais non. Voilà. Tu me donnes Gohan. Gohan enfant. Oula, déjà rétabli. Encore? Aïe, non, mais non, yo. Papa. C'est pour ça que c'est la classe, les attaques chargées. Les attaques chargées, c'est un truc de ouf. Là, Vegeta est meilleur. C'est pour ça que Vegeta est meilleur que Sangoku dans la plupart des jeux de combat Dragon Ball. Puisque Vegeta, il a des coups, je vous jure. C'est abusé, quoi. Sangoku, il est fort, mais il est pas assez cruel. Vegeta, il est cruel. Il est cru et cruel. Donc, il a des coups assez malsains. Assez obscurs. Même Vegeta est impuissant face à l'incroyable pouvoir de Frieza. Plus loin, Piccolo découvre Nail, un guerrier Namek mourant. Piccolo fusionne avec lui et acquiert les pouvoirs d'un super Namek. Putain, c'est le premier super guerrier de la série. Super Namek Piccolo-san. Hop, on va directement se combattre. Sans, je vais laisser de côté cette histoire de Dragon Ball. Hein. Juste faire le mode d'histoire tranquillement, sans pression. Si on trouve des Dragon Ball, c'est bien. Si on trouve pas, c'est pas grave.
Alors que tout semble perdu, Piccolo apparaît sous sa nouvelle forme. Mata Setana. Carrément le cosmos. Alors ces artefacts sont faibles ou... Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Je dois avoir du niveau plus 19, quoi. Je vais pas en équiper, je vais monter le niveau comme ça. Normalement ça devrait pas. Ça devrait passer. Niveau 88. Ça c'est bien ça d'avoir des niveaux dans des jeux de combat comme ça. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est intéressant. Des niveaux de combat RPG, j'aime bien. Minasanzo. Mais qui se bat encore. Sa cape qui pèse 600 tonnes. Cette tenue. Non! T'as Piccolo aussi, il a la classe, les gars. Franchement. Piccolo, les gars. Piccolo. Regarde ça, le Makako Senpo. Oh, je l'ai chargé trop longtemps. Je croyais que je l'avais lâché au bon moment. Je vais faire un trou dans le bide à cette enfoirée. Oh. Wow. Piccolo-san. Granite de fire. Ah non, c'est le... C'est pas le Grenadier de fire. Makako Senpo. Ah ouais, je peux charger autant. Punaise. Oh, trop puissant, Piccolo. Piccolo, c'est un mec tellement violent, tellement la classe. Le mec, il peut allonger son bras, regardez ça, c'est un fou. Regardez ça. Oula, il peut guider son attaque. Excellent, son chop est super bien. Ah, aujourd'hui c'est bien, ça enchaîne bien. Ça enchaîne bien les combats. Pas trop de soucis. Piccolo montre l'étendue de ses pouvoirs, mais Frieza reste de marbre. À la consternation générale, il annonce qu'il lui reste deux stades de transformation. J'ai hâte d'arriver à notre cher ami Cell. Oh, on va se marrer avec Cell aussi. Avec la voix qu'il a, Cell, il a une voix trop puissante. Perfect Cell. C'est tout le perfect, je crois. C'est l'autre qui parle. Je sais plus comment il parle. Si, il parle pareil, mais. On va dire que quand il est en perfect Cell, il a un langage beaucoup plus noble. Ça va être long là pour arriver à celle-là. Ça va être très très long. Freezer rêve sa transformation monstrueuse. Oh la vache, mon cerveau il a pété un câble encore. Freezer relève sa troisième monstrueuse transformation. L'alien. Et sa voix la change aussi. Pokémon. Vegeta il fait quoi là? Vegeta je crois il a voulu qu'on le tue. Il a voulu que Krillin le tue. Pour que Dende le soigne, pour qu'il revienne encore plus puissant. Parce que si vous le savez pas, les Saiyans, à chaque fois qu'ils frôlent la mort, qu'ils reviennent à la vie, qu'ils réussissent à guérir, ils deviennent de plus en plus puissants. Donc voilà, et je veux compter là-dessus pour devenir Super Saiyan. Super. Ah non, Piccolo est trop puissant, arrêtez. Arrêtez, Piccolo est trop puissant, arrêtez. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez, il rigole plus là, Piccolo. Piccolo, il a plus le temps. Ah, ok, d'accord.
faut pas trop le charger. Madame Ada! J'étais obligé d'utiliser son rayon de la mort, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le bon timing. Magnifique combo, 20 hits. 20 hits combo. Oh, j'adore celui-là, ce combo aussi, il est magnifique. Tellement le coup dans ce Dragon Ball. Tu peux varier ton plaisir. Oh là là, il n'existe plus le mec. Attends, est-ce que j'ai bien mis niveau 3 là? Ça semble un peu trop facile. Ou j'ai pris tellement d'expérience et de niveau que... Le mec il a pas le temps de réagir. En plus, vu que ma vitesse est améliorée, tout ça. Oh, excellent. J'adore quand ça se passe comme ça. J'aime. J'adore et j'aime. Même avec ses super pouvoirs Namek, Piccolo ne fait pas le poids face à Freezer transformé. Frieza veut montrer sa dernière transformation au guerrier avant qu'il meure. Vegeta reçoit un coup presque fatal, mais Dende le ranime avec ses pouvoirs de guérison. Vegeta espère par ce dernier recours, mais je pète un câble, excusez-moi les amis. Ah, par ce dernier recours, accroître ses forces et devenir un Super Saiyajin. Super Saiyajin. Vegeta. Krillin. Krillin. Oui, on va les raser. Rasgoon. Ça. Une fois de plus, Vegeta défie Frieza, son plan a-t-il fonctionné ? J'adore sa tête de lézard bébé dégueulasse là. Allez, c'est parti, tellement la classe Frieza. Mais bon, comparé à celle, le mec c'est un rigolo hein. Celle il est tellement supérieur en termes de classe. Oh, Jimmy! Mange ça, mon gars. Ça va te calmer vénère. Une barre. Ça t'apprendra. Non, j'ai fait contre-attaque de corps à corps, mais pourquoi tu n'as pas voulu douce? On a tellement frappé que... Tu m'auras pas. Oh, oh merde. Le mec il balance les spé comme ça. Ah, je l'aurais pas. Pas assez. Ah si, beaucoup de chance. Parce qu'il a il est de très courte portée son attaque suivie. À Vegeta. Très très courte portée. Ça va chier maintenant. Infinito combo. Ha 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 ha
Allez, mange ça. Vous avez vu comment j'ai esquivé à la frame près son laser. Son laser digital. Bim! Après, je l'ai enchaîné directement avec mon spé. Mais c'est, ce jeu est excellent, les gars. On peut faire de ces trucs parfois, mais c'est impressionnant. Quand t'as le bon timing, tu t'éclates. C'est au niveau des esquives et téléportations. La forme finale de Frieza se révèle invincible, abattu, Vegeta perd l'envie de lutter. Venge-moi! Venge-moi, Sangoku! Piccolo et ses amis sont impuissants face à la toute-puissance de Frieza. Cependant, un espoir subsiste, Sangoku-da. Sangoku-da. Sangoku, Sangoku. Son. Sangoku. Alors les amis, ça fait une demi-heure de vidéo. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. On va s'arrêter là et on va se dire à la prochaine fois sur nos aventures de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, l'épisode 11. A très bientôt. Salut tout le monde.